Ça me joque, j'aime bien. Faut mettre beaucoup de sucre hein, contre. Oh punaise. C'est dégueulasse. C'est immonde. Et puis ça, j'ai des remontées. C'est le pire truc. Je peux aller crasser dans le sac. C'est pas trop bien moi. Ah, ça remonte en nez. Oh, mais il est énorme. Ah ouais, quand je mange vraiment, je pense vraiment notre ventre, il va tout digérer. Vomir à l'aide. Hello tout le monde. Hey. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être... J'étais sûre qu'elle allait pas savoir. Teste vos mélanges chelous. De bouffe. De bouffe. Du coup, comme d'hab, on vous a demandé sur Insta de nous proposer vos pires mélanges. Et comme d'hab, vous avez été archi nombreux à nous en proposer. Donc merci beaucoup. Moi, il y en a pas un qui me donne envie. Léna, ce matin, on a fait la liste. Il y a plein de trucs, t'étais là en mode... Il y a plein de trucs, elle était là. Putain, j'ai trop hâte de tester. Moi, littéralement, il y en a pas un qui me donne envie. Du coup, comme d'hab, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. À vous abonner à nos réseaux sociaux qui sont sur l'écran et dans la barre d'infos. Voilà. C'est parti, on va tester vos mélanges de bouffe les plus chelous. Je sens que... Quoi? Il pleut. Oh, et alors? Bah j'aime pas quand il pleut. D'accord, ok. T'as pas remarqué que ton humeur joue avec le temps des fois? Bah si, toujours. C'est chelou. Bah non, parce que le temps c'est pas lui qui te guide hein. Tu m'as saoulé avec tes réflexions bizarres. Bizarre en vrai la vie. Mais c'est pas bizarre. Comment expliquer? Bref, on s'en fout. Tu dis qu'il y a des millions de planètes dans l'univers. Ah mais là tu pars trop loin, on part sur des raisonnements philosophiques. Qu'est-ce que t'as? On est juste venu pour faire une vidéo où on goûte des mélanges chelous. Elle commence à parler des planètes là. Parti pour tester vos mélanges de bouffe chelou. Let's go! On va commencer premier truc parce que du coup elles sont chaudes. On va manger les nuggets avec du miel et du Nutella. Vous avez pas honte clairement de ne pas respecter les nuggets comme ça? Ça a l'air d'être bon. Pas du tout. Allô, on parle de nuggets. Déjà, c'est sacré les nuggets. On va manger une nugget. Ouais, j'avoue. Hein. Trop trop. Elle est brûlée de bouche. En fait, je suis juste déprimée parce qu'on va manger ça avec du miel. Bah oui, ça a l'air d'être bon. Le miel, c'est comme la sauce chinoise. Ouais, j'avoue. À mon avis, le miel, ça va être pas trop mal. Par contre, avec le Nutella. Je pense que ça va être trop trop bon. Regardez. On a fait... Alex, c'est les deux mains gauches. Attention. On a fait les plateaux de grands chefs, franchement. C'est grâce à notre mère, hein, parce que c'est elle qui a organisé. Merci, maman. Du coup, voilà. Bon, c'est parti. Oh, pas de force. Quand même, je me suis dit, là, ça va pas. Je vais tous les jours à la salle. C'est pas pour ne pas réussir à ouvrir un truc de miel, hein. C'est bon, je rigole. Il va jamais à la salle. On en parle, toi. C'est parti. Oh non, ça me dégue. Ah, attends, attends, attends. Ça va être le non, moins pire, je pense. C'est pas de ma faute, ma nugget, elle est mal formée. 1, 2, 3. Oh bon. Ah, j'adore. Ah, mais moi aussi, je kiffe. Je suis choquée. En fait, parce que moi, j'adore le sucré salé. Pareil. C'est vraiment hyper bon. Regarde, elle est grave contente. Bon, après, entre être bon et est-ce que j'y ferais, genre hors vidéo, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est bon. Des mais. Potes pour la faire tester et tout. Ouais, à part si bon. J'ai envie de sucré salé. La place du Nutella, il y en a certains qui ont dit du fluff. Et vu qu'on va tester pas mal d'autres trucs avec du Nutella, on va tester avec du fluff, de quoi. Mais moi aussi, j'avais envie de tester du Nutella. Au pire, moi, je fais fluff après Nutella. Donc, du coup, moi, je prends une langue. Ah, mais il est fermé le fluff? Bah oui, j'ai jamais utilisé. J'aime pas trop. Bah oui, j'imagine bien parce que si elle aimait, t'inquiète pas que le pot il serait déjà vide. Je l'ai trop mal ouvert. T'es pas du tout satisfaisant. J'espère que ça va pas me dégoûter des nuggets. Je suis pas dégueulasse. Ça va, une mais. Spéciale. Dans l'arrière-goût, dégueulasse. Hein. Je vais tester avec le Nutella. Ça m'intrigue. Ça, après, je pourrais lécher le pot. Ah non, ça me dégoûte. Moi, je vais en mettre beaucoup, je pense. C'est bon. Ça me joque, j'aime bien. C'est comme si vous mangez du pain avec du Nutella. Ouais, j'avoue. Bon, mon préféré, c'était le miel. Genre, les trois passés, je suis étonnée. Moi, j'ai soif. Moi, je suis un peu malade alors. Elle va tout se renverser dessus, c'est sûr. Si tu me fais rire, oui, par contre. Me fais pas rire, stop. T'es vraiment un petit con au pays des emmerdeurs. J'ai cru que tu me traitais vraiment de petit con, j'étais excédée. Je me suis dit, mais elle veut quoi, celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Et dans quoi, c'est les princes de l'amour? Ouais. Ah, ah non, c'est dans Miss France. Ah oui. Celle qui fait le discours. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Au moment, dans sa tête, elle s'est dit, je vais dire ça en plein milieu du plateau Miss France. Bon, au pire. Mais t'es dégueulasse. Moi, j'ai pas le droit de boire à la bouteille, mais toi, t'as le droit alors que c'est toi qui es malade. Je suis pas malade. Non mais attendez, on fait replay d'il y a 2 secondes, elle vient de dire qu'elle était malade. Moi, je suis un peu malade alors. Ah, t'es relou. Je vais me taper la crève. Ouais. Vraiment un petit con, on paye des emmerdeurs. Il entend pas. C'est une mini story time. Mon père, il est en train de faire la sieste. Et nous, on pensait qu'il y avait personne. Et là, j'arrive, fait allô, il y a quelqu'un. Gueule ça. En fait, mon père, il est en train de dormir dans le salon. Il m'a réveillé. Il m'a rien entendu. Autre truc, c'est parti. Les pâtes au sucre. Tu veux des pâtes au sucre? Des pâtes au sucre? Ah bah voilà. Des pâtes au
au sucre. Y'a pas ça par chez vous? Ah bah non, nulle part ailleurs d'ailleurs. De quoi? Mais dans Super Nanny, tu connais pas? Il y a plein de gens qui aiment bien les pâtes au sucre et j'ai toujours voulu goûter, mais je sais pas, je l'ai jamais fait. Faut mettre beaucoup de sucre, hein, par contre. Oh punaise, mais toi, le diabète. Mélange pas, c'est dégueu. Si, faut mélanger, trop j'aime pâtes. Bien. Tu veux finir le plat? Bah oui. Mets pas ta baffe, s'il te plaît. Oh là, c'est trop bon. Maman va tout le temps nous faire des pâtes au sucre. Ah, j'adore. Un arrière-goût de beurre qui va pas du tout avec. Ah non, moi, je j'aime pas. Ah non, je suis ni. C'est encore un petit peu chaud. Non mais Léna, t'as vu tout ce qui reste à bouffer? J'ai de la place. J'ai de la place. Bah, son estomac il est infini en même temps. Je sais pas où elle cale toute cette bouffe quoi. 1m50 pour 50 kilos de bouffe par jour quoi. Tu me diras c'est bien, tu gaspilles pas donc c'est bien. Save the world. Je peux bien manger ma purée par contre moi. Je me doute bien, mais je vais même plus avoir faim ce soir. Non, tant mieux. Il se cache parce qu'il est en slip. Faut pas dire. Je vous avoue un truc. J'ai plus faim du tout. 12 seconds later. S'effondre un peu. Non, tu attends. Je vais me forcer. J'ai envie de jouer. J'étais en train de rêver. Mais t'as pas d'âme, t'as pas de réaction. Quand il pleut, j'ai pas de réaction. D'accord. Ensuite, ma phobie. Mais je sens que je vais vomir. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour manger du cornichon et du Nutella? Qu'est-ce qui est passé par la tête? Quelle horreur. Je mets beaucoup de Nutella comme ça, je sais pas le goût. Mais là, t'en as mis plus que moi, c'est pas du tout équitable. Oh, 1, 2, 3. Bah ça va, je trouve pas ça mauvais. Oh non, moi je trouve ça dégueulasse. Ah c'est... Alex, c'est vraiment dégueulasse. J'ai un arrière-goût. Ah le jus du cornichon qui se mélange avec le Nutella. Non. Suivant. Alors chips oignon. Chips oignon, déjà j'aime pas. Quoi? Je dis ça, j'ai jamais goûté mais... C'est mes chips préférés de tous les temps. C'est trop bon. Avec de la danette au caramel. Déjà j'aime pas le caramel. Ça se trouve c'est bon après hein. Non, moi je pense pas. Non. C'est dégueulasse. C'est immonde. Je crois que... Il y a un arrière-goût en plus. Des oignons qui... Et puis ça, j'ai remonté. Ah non, tu vomis pas là. Oh, la bulle, laisse tomber un chameau. Ah, ça me dégoûte. Ah, ah, ouais. J'ai encore le goût dans la bouche là. C'est vraiment dégueulasse. Ah, ça m'a tellement réveillé que mon morve, elle a toute coulée. Mon dieu. On est là. J'aime pas déjà ça. Ça. J'adore le saucisson. Je suis vraiment fan, mais pas de cela. C'est pas du saucisson ça. Mais c'est quoi alors? Bâton berger. C'est pas des saucissons. C'est des industriels. Oh, mais c'est quoi déjà ce saucisson? Bah, comme animal. C'est un animal? Bah, ouais, bah oui, c'est du porc. Comment ça m'intrigue? Saucisson et McFlurry. Oh là 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 là. Où se situe le saucisson dans le porc? Hachis de plusieurs viandes, principalement de porc. Ah. Oh, ça me dégoûtait du saucisson. Ouais. Je peux goûter déjà un bâtonnet quand j'étais petite. J'ai jamais aimé ces saucissons. T'es au goûter des écoles là, tout le monde en ramenait des saucissons comme ça. Et tout le temps, on m'en proposait. Moi aussi j'en ramenais. Pour vous, mais je suis content de le dire. Je fais un pique-nique, je ramène tout le temps des curly. Je ramène toute la maison surtout. Ah non. Ah Léna, mais pourquoi tu me le montres? Ok, j'aime pas le... Ah. Bon c'est parti les gars, McFlurry, X saucisson. Et en plus avec du coulis de chocolat, il y a la totale quoi. Oh mon gars. Je remange plus jamais de saucisson de ma vie. C'est bon. C'est dégueulasse. Des frissons, regarde. Non c'est bon, j'aime bien moi. Léna, c'est une blague, me dis pas que tu en remanges. Ah tu? C'est le pire truc. Oh, non, 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 s'il te plaît, non, nana. Mais j'aime bien. Bon, bah, je sais comment je vais manger les bâtonnets maintenant. Non, mais j'en peux plus de cette fille, quoi. Ma fleurie, je crois. Déjà, t'as les deux goûts mélangés, genre, tu sens grave le goût du saucisson et la texture. T'as l'impression de ravaler du vomi. Genre, clairement, on a du coup deux bouts de. Ah, oh, de fromage. Ah, quelle horreur. Ah, ça pue. Le roquefort, on va tester avec du Nutella. Et le camembert avec de la confiture. Je peux me faire plaisir, s'il te plaît. Le miel et le fromage, c'est la chose la meilleure au monde. Ah, le bruit, j'aime pas. 2, 3. Ah, c'est tout ça. Tu peux aller crasser dans les siacs. Recrasser dans les siacs ou pas? Mais oui. Tu vas ravaler le truc. Oui, allez, arrête de parler comme ça me donne envie de vomir. J'ai cru que j'allais vomir. T'es malade avec des draps, c'est bon. C'est toi qui l'as mis, hein. Non. Tes deux mains gauches. Oh, j'aime trop mes draps. Mais... Bon, allez, go. Non, déjà, j'aime pas le roquefort, alors. Ah, moi, j'aime pas le fromage tout court. Hein. Que le fromage de chèvre, et encore, parce qu'il pue pas trop. Ah, ça pue, ça pue. C'est qui a dit roquefort, là? Je sais pas. Personne a dit roquefort. T'es sérieux? Ils ont dit Cantal, mais je savais pas ce que c'était du Cantal. Il y avait trop... Mais c'est de l'émotion. Mais non. Cantal c'est de l'émental. Jure. L'émental, Cantal, c'est pareil. Mais non. Il y avait 500 000 milliards de marques de fromage devant moi. Je me suis dit bon, on va prendre du roquefort. Bon. On va en mettre un petit peu, on va pas réfléchir. Hein. Mon dieu. Mais pourquoi il y a des bouts verts? Mon dieu, on dirait qu'il est pourri le bordel. Stop, 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 c'est déjà trop là. 2, 3. Ah, pas on peut pas faire. Mais hein.
pas, faut vraiment pas, je vais vomir. Non mais je pleure. Je regrette de n'avoir pas pris du Cantal. Je sais pas ce que c'est du Cantal, je vais chercher. Cherche Cantal sur Google. C'est pas de l'emmental, n'importe quoi. C'est ce que j'ai trouvé sur le web. Oh punaise. C'est de l'emmental. En plus ça a l'air d'être trop bon. L'emmental avec le Nutella. C'était horrible les gars, le Roquefort. Mais qui aime le Roquefort? C'est pas possible d'aimer ça. C'est le truc du chétan. C'était le J'expulse le Roquefort. Tu l'avales. Moi je joue le jeu, hein. Chamallow. Ah, le bubonnier. Oh, ça date de ouf. Avec de la moutarde. Ah, en fait, mais c'est la tout, moutarde hein. Douce. T'en as trop mis. T'en as beaucoup trop mis. Moi, ça arrache pas. Imagine, c'est bon. 12 seconds later. Oh. Ah, ça remonte dans le nez. Notre père, il sait pas que ce qu'on tourne comme vidéo, il doit se dire ils sont complètement ch'tards. C'était censé, on teste vos mélanges, pas on teste vos pires mélanges. Bah si, on teste vos pires mélanges. Ah non, mais là, les gars, j'ai envie de vomir. Moi, ce soir, je mange plus, hein. Ça m'a dégoûté la vie, là. Tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre... C'est à cause des mélanges là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. En tout cas, quant à nous, on vous fait plein d'énormes bisous. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. On vous aime fort. Bisous.